Bon, ce soir, quand je vois la foule qu'il y a ici, là, je m'imagine qu'on est déjà à l'élection du mois d'octobre et que celui qui est élu, c'est M. Savard Tremblay. Ben oui, à l'élection de 2015, j'ai appuyé le Parti conservateur du Canada. Pour l'élection d'octobre 2019, j'avais signé la mise en candidature d'une jeune candidate conservatrice. Je faisais confiance à sa jeunesse et à son dynamisme. Les vieux partis se disent toujours, on est mieux avec notre petite gang de vieux qu'avec les jeunes. Moi, j'ai trouvé dans M. Savard Tremblay un jeune compétent, spécialement dans le domaine de l'agriculture. J'ai lu un texte qu'il a écrit dans le journal La Vie agricole. Et M. Savard Tremblay montre sa connaissance dans ce domaine et nos producteurs agricoles trouveront avec lui une voix forte à Ottawa. Oui, bravo! Avec toutes les qualités, M. Savard Tremblay, d'origine huronne, Wendat, puis en passant, on a notre ami là, aussi, qui est. Oui, ben, il est pas loin de là. C'est Flamand. Flamand, lui, oui, il est métisse. Fait qu'on est avec des bonnes gangs. Alors. Moi, j'appuie M. Savard Tremblay et j'invite les gens de tout le comté de Saint-Hyacinthe-Acton à se donner le meilleur député dans notre comté pour l'élection d'octobre 2018. 2019. Vous voyez, je fais des sauts. Bon, je vous invite maintenant à une chanson. Maintenant, je vais la chanter. Commencez pas tout de suite. Laissez-moi chanter et je vous dirai pourquoi après. Cher Simon-Pierre, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Cher Simon-Pierre, c'est à ton tour pour devenir notre député. Pourquoi j'ai chanté ça comme ça? C'est parce que samedi passé, il y a 2 jours, c'était la fête de notre candidat, Simon-Pierre. Il avait, on ne dira pas, on va dire, c'est un jeune, il avait 31 ans. Oh. Samedi, bonne fête! Et on recommence à chanter. Cher Simon-Pierre, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Cher Simon-Pierre, c'est à ton tour pour devenir notre député. Bravo!